Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour le signe du Lion. Je vais parler donc des trois décans. Premier décan, les natifs nés du 23 juillet au 2 août, donc en moyenne, hein, ça peut être un jour avant, après, selon les années. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 2 août au 12 août en moyenne, et le troisième décan sont les natifs nés du 13 août au 23 août. Donc je rappelle que c'est un horoscope solaire, donc qui est assez général, donc on se base uniquement sur la position du soleil dans le signe en question, le signe de naissance. Donc là en l'occurrence le Lion, mais je ne prends pas en compte toutes les autres planètes car je n'ai pas votre thème personnalisé, donc c'est beaucoup plus précis avec un thème personnalisé avec votre date, heure et lieu de naissance, donc pour faire un horoscope, comme on dit, personnalisé. Alors je vais commencer par le premier décan. Donc les premiers décans, vous aurez une année donc en demi-teinte. Alors on va dire ce qui est avantageux pour vous, c'est que vous aurez le trigone de Jupiter en Bélier du 1er janvier au 20 février. Donc en début d'année, là, vous aurez beaucoup d'opportunités, d'épanouissement, de croissance. Donc au niveau de l'action, par rapport à des idéaux, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, vous êtes dans une bonne phase, vous commencez bien l'année, on va dire. Donc plutôt positif pour vous par rapport à cet aspect, hein. Beaucoup d'épanouissement, d'opportunités. Vous pouvez vous sentir vraiment bien dans vos baskets, être à l'aise. C'est vraiment positif pour diverses choses, hein. Après tout dépend de quelle maison tomberaient ces aspects. Donc si c'est à l'ascendant, ça va vous combler sur le plan physique, personnel. Vous pouvez par exemple faire du sport pour vous sentir plus beau, plus belle. Sur maison 2, ça va accroître vos finances, etc. Alors ensuite, vous aurez l'opposition en revanche donc de Pluton en Verseau à partir du 23 mars jusqu'au 11 juin 2023. Alors là, en revanche, ça va peut-être être une période où vous allez commencer à vous sentir peut-être à remettre en question certaines choses. Donc encore une fois, il faut voir dans quel domaine ces planètes tombent dans votre thème. Mais il peut y avoir des remises en question par rapport à votre fort intérieur. Vous pouvez être en sorte de révolte intérieure, revoir certaines choses, beaucoup de remises en question dans vos relations. Ça peut être en amour, ça peut être au travail. Donc voilà, après c'est très variable. Donc c'est un aspect qui va commencer donc à avoir lieu donc dès le 23 mars jusqu'en juin, mais qui va revenir donc l'année prochaine. Ensuite, vous aurez le soleil sextile à Mars en Gémeaux du 1er janvier au 31 janvier, donc vous commencez aussi bien les chapeaux de roue au niveau énergétique, donc beaucoup d'énergie, vous avez envie de mener à bien vos, comme j'ai parlé au début, avec le Jupiter en Bélier, donc Mars qui est maître, ça permet de mettre en pratique vos idées, hein, de passer à l'action, de mettre plein de choses en place. Donc c'est vrai que c'est très positif pour agir dans ce sens. Vous pouvez fourmiller de plein de choses à la fois, plein d'idées, et vous aurez à cœur d'échanger, de communiquer, vraiment de concrétiser vos idées en fait. Ensuite, vous aurez votre soleil qui sera conjoint à Mars, donc dans votre signe, hein, en Lion, donc du 21 mai au 7 juin. Donc là, beaucoup d'énergie encore. Beaucoup d'actions, vous voudrez imposer peut-être vos idées, votre volonté envers les autres, beaucoup plus qu'à l'accoutumée peut-être à ce moment-là. Alors attention, en revanche, cet aspect est mal inspecté, vous risquez d'être un peu irascible, voire un peu agressif. Donc attention au risque de conflit là, conflit d'ego, conflit dans les relations. Sinon, vous pouvez, si c'est bien vécu, vous avez beaucoup d'énergie pour mettre en place certaines actions. Donc ça peut être aussi bien en amour, dans le sport, être plus généreux, vraiment agir beaucoup en ce sens. Alors ça peut être dans la profession, ça peut être dans le quotidien, dans votre famille, dans votre foyer. Voilà. Après, c'est vraiment très variable, je ne peux pas rentrer dans les détails malheureusement. Ensuite, vous aurez un sextile de Mars en Balance du 28 août au 12 septembre. Donc là, c'est très positif, encore une fois, pour l'action, pour échanger avec autrui, dans vos collaborations, dans le couple aussi, par exemple, c'est possible. Vous mettez vraiment en place, vous êtes beaucoup plus circonspect, vous pesez plus le poids et le compte pour agir dans certains tel ou tel domaine.
Donc c'est vrai que c'est une phase aussi intéressante là pour les relations. Ça peut être pour des contrats aussi, par exemple. En revanche, vous aurez le carré à Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre. Donc là, attention encore une fois à l'agressivité, à le côté un peu dispute, aux violences, aux conflits. Donc en Scorpion, c'est des signes fixes, hein, comme le Lion. Donc attention que ça ne parte pas trop en côté un peu trop tendu, violent, parce que ça peut vous piquer, vous agacer là, à ce moment-là. Donc il peut y avoir des blessures, attention. Soyez un peu plus prudent et maîtrisez votre énergie et canalisez votre agressivité. En revanche, ensuite, vous aurez le trigone de Mars en Sagittaire, donc du 25 novembre au 8 décembre. Donc là, c'est positif pour vraiment agir avec beaucoup d'amplitude, d'idéal. Vous pouvez amener à bien tous vos idéaux, vos concepts, que ce soit métaphysique, philosophique, religieux. Vous pouvez peut-être agir pour un voyage, par exemple, pourquoi pas, ou dans un déplacement. Vous avez beaucoup peut-être d'opportunités, beaucoup de bonne énergie là qui circule. Et ça peut être aussi positif pour du sport, par exemple, pourquoi pas. Des questions de loi, des questions de tout ce qui est en rapport avec donc le signe du Sagittaire, hein, des conceptions supérieures, des idées, beaucoup d'idéal à ce moment-là. Donc vous pouvez les mettre en place là, vous pouvez agir avec beaucoup d'assurance, voilà, de confiance en vous. Donc là, c'est très positif. Et enfin, la conjonction avec la Lune noire en Lion du 9 janvier au 8 avril, donc là c'est pareil, c'est en début d'année, ça va vous permettre avec cette conjonction avec votre Lune noire qui est où le Soleil est maître, hein, ça va vraiment vous aider pour satisfaire votre ego, sublimer un manque peut-être à ce niveau-là. Donc il peut y avoir des choses à combler. Que ce soit au niveau affectif, souvent en Lion, hein, il peut y avoir une blessure d'orgueil, d'amour-propre. Donc ça peut permettre de vous aussi, grâce à certaines choses, ça dépend aussi dans quelle maison ça peut tomber. Hein. Si c'est en maison 5, ça va parler d'enfant, d'amour, de créativité. Donc vous pouvez, par exemple, via une créativité, sublimer un manque, un désir profond de se mettre en valeur. Ça peut être les enfants qui peuvent vous aider. Si c'est en maison 7, ça va peut-être être au sein du couple. Il peut y avoir quelque chose de bien qui peut se faire à ce moment-là, une réparation de blessures narcissiques. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Il faut vraiment voir votre thème après en précision, quoi. Donc voilà pour le premier décan. Alors donc ensuite le deuxième décan. Donc vous aurez quand même plutôt des bons aspects, on va dire, de manière générale. Alors notamment un trigone de Jupiter en Bélier du 21 février au 5 mars. Encore une fois, là, ça vous donne beaucoup d'épanouissement, d'opportunités, de croissance. Vous êtes en joie, vous êtes optimiste. Beaucoup alors lié à l'action, hein, alors lié aussi avec le sextile de Mars en Gémeaux dès début janvier, donc enfin dès le mois de janvier, le 31 janvier au 4 mars, pardon. Alors là, beaucoup d'actions, vous pouvez vraiment agir et mettre en pratique vos idées, mettre en place beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Donc vous pouvez agir en ce sens. Vous pouvez formuler des idées, avoir plein d'idées à mettre en place, à faire, vous pouvez être à droite à gauche. Voilà, bref, il peut y avoir vraiment de bonnes opportunités pour vous en ce début d'année. Donc profitez vraiment de ce début d'année pour croître, pour saisir les opportunités, la chance aussi avec Jupiter. Donc en tout cas, par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, mener, faire, c'est vraiment positif, je dirais, en tout cas de ce point de vue-là. Alors ensuite, le Soleil sera conjoint à Mars en Lion, donc chez vous, du 7 juin au 24 juin. Donc quelque part, c'est une continuité. Il y a Mars qui après arrive dans votre signe, hein, entre-temps. Donc là, c'est encore une fois normalement positif, hein, selon les aspects. Encore une fois, est-ce qu'une conjonction peut être bénéfique ou plutôt conflictuelle? Alors si elle est bénéfique, l'action va se renforcer, vous allez pouvoir imposer vos idées, agir avec cœur, avec volonté, avec beaucoup d'entrain, de chaleur humaine. Voilà, vous faire vraiment ce qui vous plaît, ce que vous aimez. En revanche, à contrario, si c'est plutôt mal inspecté, vous risquez de sortir un peu les griffes. Hein, vous allez rugir un peu plus, donc il risque d'y avoir un peu peut-être des conflits, des mésententes, voire de l'agressivité, des disputes. Voilà, donc attention. Attention de ne pas être trop irascible, trop impétueux et tyrannique, voire. Donc après avoir selon votre thème, mais il peut y avoir, hein, ce côté-là. Donc bon, c'est vraiment variable.
Ensuite, toujours un bon aspect ensuite de Mars en balance, où ça forme un sextile à votre soleil du 12 septembre au 28 septembre. Donc, encore une fois, bonne énergie pour agir, alors, surtout dans tout ce qui a rapport avec les collaborations, ça peut être de manière très harmonieuse en balance, donc on va peser le pour et le contre, vous êtes beaucoup plus attentif, peut-être prendre en compte plus le désir des autres. Hein, bon, c'est vrai que c'est un Mars qui est en exil, en balance, hein, donc il n'est pas forcément à sa place, mais voilà, il permet aussi de prendre plus de recul sur des décisions. Alors c'est vrai qu'on a du mal à agir parfois sur le moment, mais ça permet aussi de prendre les bonnes décisions. Donc comme c'est bien inspecté avec votre soleil, à ce moment-là, vous aurez peut-être des choix à faire et vous saisirez les bons choix à faire, je pense, à ce moment-là. Donc, encore une phase très positive pour vous. En revanche, vous aurez le carré Mars en Scorpion du 27 octobre au 11 novembre. Alors là, attention de ne pas être trop agressif, voire un peu trop piquant, blessant, voire méchant, parce qu'avec un Scorpion, ça peut aller au fond des choses, donc ça peut quand même blesser. Hein. C'est comme dans des carrés, dans des signes fixes, donc il peut y avoir vraiment de l'entêtement. On reste sur ses positions, donc il peut y avoir des conflits, encore une fois, sur des questions d'ego, sur diverses questions. Alors ça peut être très bien sur le côté matériel, affectif, professionnel ou autre. Encore une fois, il faut regarder votre thème en détail, hein, parce que là j'ai pas vos maisons, donc je peux pas rentrer vraiment dans les détails malheureusement. Mais voilà, vous pouvez déjà avoir une idée de l'énergie du moment. Ensuite, vous aurez un trigone à Mars en Sagittaire, donc du 8 décembre au 23 décembre. Donc en fin d'année. Donc là, encore une fois, c'est positif pour agir vraiment de manière avec beaucoup d'optimisme, d'idéal. Donc vous pouvez mettre à profit vos conceptions, vos idéaux, tout ce que vous avez envie d'établir. Ça peut être pour c'est mieux pour le sport, par exemple, pour bouger dans les signes de feu, pour tout ce qui a un rapport avec les déplacements, le voyage. Donc il peut y avoir à ce moment-là peut-être plus de déplacements à l'accoutumée, par exemple. Et vous le vivrez bien, peut-être des bons voyages à qui vous satisferont, qui vous épanouiront. Donc ça peut être voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être par rapport à des rapports avec la loi, la justice aussi, avec certaines autres conceptions, des études. Enfin voilà, après ça dépend de votre thème. Si ça tombe dans votre maison 12 par exemple, ça peut être dans un domaine spirituel, intérieur. Et vous pouvez vraiment agir dans des choses qui vous correspondent. Et vous sentir vraiment épanoui et plus en joie à ce moment-là, encore une fois. Ensuite, vous aurez le trigone à Chiron en bélier toute l'année aussi. Hein, donc c'est vrai que Chiron peut permettre aussi, au niveau intérieur, au niveau de votre âme, de guérir certaines blessures. Par exemple, vous pouvez vous sentir plus centré, plus... alors vous l'êtes déjà en tant que lion, mais vous pouvez vraiment vous aligner sur votre âme et être plus... d'une manière... une âme plus guérisseuse, vous sentir vraiment en action et en complétude avec vous-même. Hein. Donc tout ce que vous ferez peut vous gratifier de bonheur intérieur, de vous sentir vraiment bien. Hein. Après, bon, c'est vrai que c'est assez généraliste, hein. Faut voir quand même où ça tombe. Hein. Ça peut tomber par exemple dans le domaine familial où vous pourrez réparer certaines blessures, par exemple, vous sentir en adéquation, etc. Ou alors si c'est dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Voilà, donc après avoir, vous aurez aussi le soleil conjoint à la lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet. Alors là, encore une fois, ça peut vraiment combler un manque par rapport à votre ego, vos valeurs, votre amour propre. Donc là, il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en lumière grâce à ce soleil qui peut vous aider, hein, qui est le maître de la lune noire. Donc par rapport à une zone d'ombre qui a besoin peut-être de... trouver des solutions pour avoir voilà des choses à combler, un manque. Donc ça peut être par rapport à la créativité, par rapport au rapport avec les enfants, avec l'amour. Donc vous pouvez vraiment avoir quelque chose, encore une fois, qui vous comble et qui vous satisfasse à ce moment-là. Donc voilà pour les deuxièmes décans. Et enfin, donc pour les troisièmes décans, donc vous aurez alors, un quinconce, un Pluton en Capricorne du 1er janvier au 22 mars, donc un début d'année, je dirais, un peu en demi-teinte, avec encore des choses à régler, peut-être sur le plan peut-être professionnel, intérieur. Après, il faut voir encore une fois dans quelle maison ça tombe, hein, dans votre thème personnel.
Là, ça reste général, donc forcément, je ne peux pas vraiment détailler, mais il peut y avoir des remises en question, des petites choses à régler encore cette année, voire un peu l'année prochaine aussi. Mais vous sentirez que ça va commencer peut-être à être un peu allégé, on va dire. Alors, malheureusement, vraiment le début d'année, on va dire les 3 premiers mois, vous aurez aussi l'opposition de Saturne en Verseau, donc c'est un peu plus compliqué, on va dire, pendant ce premier trimestre, car vous sentirez quand même bloqué, il y aura comme quelque chose comme un mur qui se dresse devant vous, donc vous ne pourrez pas forcément peut-être exploiter tout votre potentiel, donc il risque d'y avoir des restrictions, des blocages, des frustrations, voire vous pouvez vraiment peut-être avoir beaucoup voilà, de choses dans ces domaines. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel ou affectif, pourquoi pas. Donc après, ça peut être aussi un peu dans tous les domaines, malheureusement. Donc après, là, il faut voir par rapport à votre thème. Mais bon, c'est surtout les 3 premiers mois de l'année. Après, vous aurez quand même le trigone de Jupiter en bélier qui va vous permettre de souffler, d'avoir un poids en moins, hein, c'est le cas de le dire. Et là, vous sentirez vraiment un nouveau renouveau, le printemps qui revient, la croissance qui repart. Vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste, enjoué, épanoui. Surtout dans les actions que vous allez mener, hein, parce qu'au même moment, vous aurez le sextile à Mars en Gémeaux, hein, qui maîtrise donc ce Jupiter en Bélier. Donc forcément, alors ça sera du 4 mars au 25 mars. Alors forcément, vous aurez beaucoup d'épanouissement. Vous sentirez vraiment à mettre à profit toutes vos idées. Vous aurez beaucoup de choses, de déplacements peut-être à faire. Vous pourrez beaucoup discuter, échanger. Et c'est plutôt dans le bon sens. Donc beaucoup d'opportunités vraiment à prendre là pour vous pendant cette période. Donc 5 avril au 16 mai, le trigone à Jupiter. Et au même moment, au mois de mars, hein, pratiquement tout le mois de mars, le sextile à Mars. Donc mois de mars, avril à mai, pas mal du tout pour vous. Donc on va dire un deuxième trimestre vraiment positif pour vous. Vous aurez aussi après la conjonction de Soleil à Mars en Lion du 24 juin au 10 juillet. Donc là, ça peut être plus ou moins bien vécu selon votre thème, forcément, avec les aspects qu'elles formeront. Donc il peut y avoir beaucoup d'actions que vous voudrez mener avec impétuosité, avec chaleur et ambition. Donc vous pourrez vraiment imposer peut-être vos idées, agir avec cœur, avec volonté, avec enthousiasme. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de choses que vous pourrez mettre en place aussi à ce moment-là. Si c'est à contrario plutôt mal inspecté comme conjonction, vous risquez d'être un peu agressif et voire un peu irascible. Donc vous pouvez avoir un peu ce côté un peu à grogner, enfin rugir, hein, le lion qui rugit. Donc vous pouvez peut-être un peu vous sentir en tension, donc attention au conflit, aux disputes, à l'agressivité. En revanche, un bon sextile à Mars en balance du 28 septembre au 12 octobre, qui vous permet à nouveau d'établir et de peser le poids, le compte dans certaines actions, certaines initiatives que vous voudrez prendre. Donc vous pourrez vraiment avoir une bonne énergie pour agir en ce sens. Donc ça peut être pour les collaborateurs, pour des relations avec d'autres, dans le couple par exemple. Mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein. En tout cas, voilà, vous êtes beaucoup plus attentif à l'autre, on va dire, et à prendre en compte les désirs à ce moment-là de l'autre et agir en ce sens de manière positive. Ensuite, attention au carré à Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre, vous pouvez vous sentir beaucoup plus à nouveau en tension, peut-être à nouveau des risques de mésentente, de conflits, voire de disputes. Donc attention de ne pas rouler trop dans les brancards, de ne pas être trop piquant ou de se sentir agressé. On peut être agressé aussi, se sentir agressé, donc il peut y avoir des blessures, quelque chose de plus violent, plus méchant, voire à ce moment-là, dans le pire des cas, hein, mais c'est peu après, voilà, ça peut être forcément juste une tension nerveuse, enfin, tension un peu ouais, agressive. On veut peut-être agir dans certains domaines, mais on n'a pas forcément ce qu'on veut, et voilà, on risque d'être un peu mauvais à ce moment-là. Bon, après, voilà, c'est passager. Surtout qu'après vous aurez le trigone de Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre en fin d'année, donc vous aurez quand même une bonne action, une bonne énergie pour agir dans tel ou tel domaine. Alors, ça peut être pour les voyages, les déplacements, surtout en Sagittaire, il peut y avoir vraiment mettre à profit vos conceptions, vos idéaux, donc vraiment une bonne énergie pour faire ce qui vous plaît en fait. Alors c'est souvent conseillé par exemple pour le sport, ça peut être bien pour faire plaisir, pour voyager. Voilà, donc il y a plein de domaines qui peuvent vous satisfaire à ce moment-là. Donc encore une fois, il faut voir dans quelle maison tomberont ces planètes.
dans votre thème. Ensuite, le soleil conjoint lune noire en lion du 8 avril au 7 juillet permet de combler un manque, sublimer un manque dans tout ce qui aura rapport avec vos valeurs, votre ego, tout ce qui aura rapport avec votre image. Donc là, vous pouvez peut-être avoir des choses qui se règlent, combler une zone de... combler un manque, entre guillemets, hein, on ne comble jamais vraiment avec la lune noire, mais c'est une période, on va dire, où vous pouvez sublimer ces complexes, ces zones d'ombre. Alors ça peut être par une créativité, par l'amour, par une rencontre amoureuse, pourquoi pas, ou peut-être tout simplement, ça peut être au travail, dans vos relations, donc encore une fois, c'est très général, malheureusement. Et le trigone à Eris en bélier, toute l'année, permet aussi de vous ressentir plus en harmonie, être vraiment, rassembler tout ce qui peut vous tirailler, et donc vous diviser, et là, vous permet aussi de trouver vraiment une complétude dans vos actions. Donc, bonne énergie, on va dire, dans l'ensemble, vous pouvez vraiment agir par rapport à vos convictions, mais attention, il y a des passages quand même, notamment le premier trimestre, où vous êtes un peu bloqué. Voilà. Mais sinon, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai terminé pour les trois décans pour le signe du lion. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez aussi me consulter, vous retrouvez les détails en description à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Voilà, et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe de la Vierge. Au revoir.